L'histoire de Saison et de ma famille, ça commence dans les années 50, quand mon grand-père achète l'île aux enchères. Mon grand-père, il collectionnait les lieux. Il collectionnait, il achetait souvent aux enchères des drôles d'immeubles, des ruines, un presbytère, un phare. Oui, il était à la recherche d'une île, une île fortifiée particulièrement. Et moi, j'ai des souvenirs d'enfance de cette île abandonnée où j'étais aussi l'explorateur. Et puis, l'île a grandi en moi, les visions, les rêves. Et quand j'ai été adulte, j'ai aussi projeté mes cités, l'idée d'en faire un lieu pour la création contemporaine, la création in situ, en rapport avec le site et la nature. Située à l'entrée des Abers, dans le Finistère Nord, l'île Saison attire les artistes, mais aussi les historiens, les promeneurs, les passionnés de vieilles pierres. Un fort Vauban est toujours debout. L'été, des chantiers de restauration investissent l'île. J'ai appris avec des historiens et avec des maçons que, d'une certaine manière, moi je parlais aux pierres dans le temps, mais que maintenant je sais que les pierres me parlent et que je peux aussi les lire. Ça, c'est formidable, quoi. Ouais. Tu regardes le plus haut, celle de la pierre. Ouais, on est plutôt 12 et demi. Ouais, tu vois. Ouais. Pour venir sur l'île, on accède à pied à marée basse. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient fait de cet îlot une place stratégique, en construisant un bunker. Saison a connu de nombreuses périodes, livrées à elle-même. Aujourd'hui, on peut croiser sur l'île un pianiste imaginaire, ou encore un musicien chasseur de sons. La dimension culturelle reste essentielle. Ces espaces-là, c'est des espaces révolutionnaires, c'est des espaces de résistance qui sont nécessaires aujourd'hui dans notre monde et qui sont des espaces à préserver, à apprivoiser. Mais il faut toujours faire attention qu'on ne peut pas les maîtriser. Parce que ce qui est beau, c'est qu'il nous échappe. À la fin de l'année 2020, la famille Le Nestour a décidé de se séparer de l'îlot. Saison est désormais devenue la propriété du Conservatoire du Littoral.